Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un vlog et j'ai l'impression de faire que ça puisqu'en fait, là, je vous ai programmé mon vlog de Noël. Mais vous allez voir ce vlog-là bien après puisque c'est un vlog qui va se faire sur à peu près un peu plus de 2 semaines. J'ai déjà d'avance désolé pour la circulation que vous allez entendre quand je vais vous parler parce qu'en fait, là, je suis retournée pour ma formation dans mon appartement. Les vacances sont finies, donc c'est-à-dire en plein dans Limoges et je ne suis pas encore en stage, donc... Pour le moment, je suis dans mon appartement. En tout cas, je vais vous présenter un petit peu donc, ce vlog. C'est-à-dire que j'ai créé il y a 1 ou 2 ans un petit challenge que j'ai fait avec Evalie. Maintenant, je vous en parle quand même assez souvent de cette personne. Et en tout cas, c'est un challenge que j'ai fait justement pour quand on a 2 semaines de vacances. Qui fait en fait les 2 semaines. Donc là, j'ai pas pu le faire pendant les vacances de Noël. Mais je me suis dit que j'allais le faire là un peu. Donc aujourd'hui, on est le 3 janvier, je crois. Le challenge se présente comme ça. Je vous le montrerai un petit peu plus précisément dans d'autres plans. C'est le challenge bambou parce que Evalie adore les pandas, donc je me suis dit il faut que je fasse un petit peu quelque chose dans le thème. Et vous allez voir, en fait c'est vraiment très simple, très chill, vraiment je ne me prends pas la tête, c'est à dire que s'il y a des choses que je veux switcher, je les enlève, s'il y a des choses que je veux modifier, je les modifie. C'est vraiment un challenge plutôt cool que j'ai envie de suivre parce que j'ai envie de reprendre un peu un petit rythme et en même temps j'ai pas mal d'autres choses à faire, notamment rattraper mes vidéos YouTube que je n'ai pas pu publier pendant que j'avais mon ancien téléphone. Mes posts Instagram à préparer, enfin j'ai quelques petits trucs à faire, notamment également avec ma formation, mais voilà, je me suis dit au moins là ça me calera un petit rythme de lecture sympathique à côté. Donc, le premier jour c'est ce soir, douche, méditation et lecture au moins 2 chapitres. Voilà, il y a plein de choses, par exemple c'est tout bête, hein. Aujourd'hui tu t'arrêteras à 100 piles, sauf si le chapitre n'est pas fini. Donc à la page 100, 200, 300. Et on voit vraiment que c'était pendant les vacances parce que là c'est été, après-midi, digestion, prépare-toi une boisson chaude, installe-toi confortablement et au moins 30 minutes de lecture sans écran. Là après manger, je pourrais pas le faire si c'est pendant ma formation, sachant que le week-end, je ne sais pas si je pourrais faire ce challenge. Déjà je veux le faire au moins sur la semaine, le week-end, je sais pas encore. Donc on verra bien. Mais en tout cas voilà, je sais pas trop quelle tête aura ce vlog, mais je vais essayer de vous filmer ça au fur et à mesure de façon assez spontanée, assez sympa. Je sais pas trop si je vous prendrai souvent face caméra, je ne sais pas. En tout cas j'espère que ça vous plaira et puis je vous souhaite un bon visionnage. Salut, bon je vous retrouve, on est le jour 2, on est le soir, donc là l'objectif c'est de lire 100 pages. J'en suis là à la page 247 et techniquement donc je devrais arriver à la page 347. C'est lire 100 pages ou 50 si c'est un gros livre ou si c'est long à lire. Il est déjà un peu plus de 22h parce qu'en fait je voulais vous dire, j'ai tout organisé ma vidéo pour le bilan de l'année etc. Au moment où vous verrez cette vidéo ce sera déjà tout posté. Mais vous savez pas à quel point ça a été une galère pour faire loger toutes mes vidéos bilan de l'année. Parce qu'il faut que je filme pour la semaine prochaine, il faut que j'en filme 2 et que je les montre, les auto-édités, bilan de l'année. Après j'ai un challenge à filmer, un avis lecture, un tag. En fait là j'ai des vidéos pour jusqu'à mars, j'ai tout organisé. Donc clairement je vais vous montrer quand même à quoi ça ressemble. Quand c'est au crayon de papier c'est que ce n'est pas encore mis en ligne. Et en fait ben voilà je n'ai plus de place parce que là c'est plein. Donc je suis un peu malade, j'ai ma voix qui part. J'ai dû refaire sur une nouvelle page, du coup j'ai juste commencé, j'ai fait jusqu'au mois de juin. Il va falloir que je fasse toute la page, donc je ferai ça plus tard parce que là clairement j'ai envie de me poser et de lire pour essayer d'éviter à partir du 2e jour de déjà louper mon petit challenge, ce serait quand même un petit peu embêtant. En tout cas moi je vais m'y mettre, j'espère au moins pouvoir lire 50 pages, pardon. Si j'arrive à atteindre les 50, pour moi c'est déjà que j'aurai validé le challenge d'aujourd'hui parce que c'était 100 pages ou 50. Vu qu'il est assez tard, je pars plutôt sur les 50 pages quand même. Salut, je vous retrouve pour vous dire, là aujourd'hui, le challenge d'aujourd'hui, c'était ce matin entre 30 minutes et 1 heure de lecture au réveil. Alors je n'ai pas pu, mais en fait, je suis préparée et au lieu de faire la lecture directement au réveil, je me suis préparée et ensuite je me suis calée 1 demi-heure de lecture. Donc, ça passe. Demain, c'est aujourd'hui, tu t'arrêteras à 100 piles, sauf si le chapitre n'est pas fini, donc à la page 100, 200, 300, etc. Et en fait là vu qu'il est pas très tard, il doit être à peu près 21h, je vais ranger mon bureau parce que j'ai passé 3 heures sur le montage et la mise en ligne d'une vidéo. Donc là je n'en peux plus, j'ai fait des fiches pour ma formation et du coup j'ai tout étalé autour de moi par terre, les fiches, les classeurs, les cours, donc déjà je vais ranger. Et je pense que je vais lire un manga, soit All You Need Is Kill. Je vous disais soit All You Need Is Kill, je ne sais pas du tout, enfin j'ai lu rapidement le résumé mais je ne veux pas le relire. C'est une biologie donc la saga
saga se termine très vite, donc peut-être que je vais lire le tome 1 ce soir, ou au moins le commencer, parce que j'aimerais aussi avancer dans mon roman. Et déjà pour le challenge d'aujourd'hui, il est déjà validé. D'ailleurs, j'ai pas fait la petite tic comme ça en flèche, donc je vais faire ça de suite. Salut, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve, on est vendredi. Qu'est-ce que je voulais dire ? Donc là, je ne vais pas faire le challenge d'aujourd'hui, ni demain, ni après-demain, parce qu'en fait, là, ça concerne ce soir, sauf que ce soir, je ne serai pas à l'appart. J'ai lu All You Need Is Kill, le tome 1, comme vous avez pu le voir, c'était trop bien, mais je vous en reparle un peu plus tard, puisque là, je vais commencer le tome 2, et je vais également continuer après ma lecture de La Passe-Miroir. Donc voilà, oui, je suis dans mon petit plaid bien tranquillement installée pour lire. Donc c'est parti, j'ai ouvert la baie vitrée, donc vous devez pas mal entendre le bruit de la circulation, je m'excuse, mais du coup voilà. Salut, je vous retrouve, on est donc lundi 9 janvier, donc effectivement je n'ai pas pu faire le challenge ce week-end, mais je reprends ce soir, puisque aujourd'hui le challenge c'est ce soir on coupe le téléphone et lecture, donc pas de page imposée ni rien. Je suis toujours sur La Passe-Miroir, le tome 2, mais j'avance progressivement et j'arrive bientôt à la fin. Il me reste un peu plus d'une centaine de pages, je sais pas combien il fait en tout, il me reste encore une bonne 150aine de pages, j'ai même un peu plus, donc j'aimerais bien avancer aujourd'hui. Je vais juste couper par rapport à tout ce qui est Instagram, etc. Mais j'ai un appel à passer. Je ferai ça après, mais je vais couper par rapport à tout ce qui est réseaux sociaux, etc. J'ai eu un livre aussi, donc je vous montre ça juste après. J'aimerais écrire mon avis lecture sur All You Need Is Kill. D'ailleurs, je vous en ai pas parlé. J'ai terminé le tome 1 et le tome 2. Je les ai pas ici, j'ai déjà pris la photo. C'était franchement une super lecture, j'ai beaucoup aimé. Je vous en parle pas forcément trop puisque je vais vous en reparler dans un avis lecture. Mais j'ai trouvé que c'était hyper original et ça montre vraiment qu'il faut apprendre un petit peu de ses erreurs pour mieux se replacer et que même si on fait certaines erreurs, dans tous les cas, l'ennemi se souviendra des erreurs qu'on a fait et se souviendra de notre faille un petit peu. Donc il faut voir une nouvelle méthode, essayer de contourner la chose et essayer de toujours s'adapter et trouver de nouvelles choses. Je suis en train de voir, mais j'ai une plante, on dirait que la feuille elle a cristallisé. Ah, elle est devenue toute grise. Regardez. Elle brille un petit peu. Je sais pas ce qui s'est passé, mais voilà, c'était ma petite plante comme ça. Bref, petite parenthèse, plante fermée, même si j'ai toujours les petites feuilles avec moi. Du coup, ouais, par rapport au manga, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Le fait que ce soit une duologie, ça se termine très vite. On comprend la signification de plein de choses, beaucoup d'explications, notamment le choix des couleurs, des couvertures. Enfin, franchement, ouais, j'ai bien aimé. Donc là, j'ai pas encore écrit mon avis lecture, donc j'aimerais bien. Sinon, par rapport au livre que j'ai eu, ma coloc qui me l'a offert pour Noël, donc j'avais donné elle m'avait dit, envoie-moi une petite liste de livres que tu aimerais. Donc j'en ai envoyé 5 ou 6. Et celui-ci, je me souvenais même plus. En fait, enfin, justement, j'ai donné des livres que je voulais depuis très longtemps, mais dont je m'en souvenais plus comme ça de tête. Et donc, elle m'a pris Maison Tanière de Pauline Delabroix à l'art, édition L'Iconopop. En fait, une histoire où c'est une femme qui se retire seule loin du monde. Et elle s'est écrite dans une maison comme une tanière, et chaque jour elle choisit un vinyle, écrit et prend des photos. Elle laisse venir les sentiments et les souvenirs, elle fait parler les plafonds et les murs, et cette maison tanière devient la nôtre. Et je pense que, en fait, vous voyez, c'est un livre où il y a des photos, où il y a des extraits français, des extraits anglais. Vraiment, je me dis que ça pouvait être très intéressant, et je me demande comment c'est abordé, comment c'est écrit. Donc en plus, il est tout petit, donc je pense que ça va se lire assez rapidement. Encore merci à elle parce que ça me fait trop plaisir. Donc voilà pour ce qui est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous ferai sûrement encore quelques petits plans à voir quand est-ce que je pourrai. Mais en tout cas, voilà, j'avance dans ma lecture La Passe-Miroir que j'espère terminer. Ce soir, j'y crois pas trop vu tout ce que je me suis planifié à faire, mais peut-être demain ou après-demain, ce serait mieux. En tout cas, fin de la semaine, je veux vraiment l'avoir terminé parce que ça commence à traîner. Ensuite, j'ai d'autres livres que j'ai envie de lire, donc je vous les montrerai peut-être pas maintenant, mais je vous les montrerai un petit peu plus tard, sûrement dans ce vlog, sûrement dans tous les cas si je les lis, et puis même voilà, les livres que j'ai prévu de lire. Donc voilà. «
Salut, je vous retrouve, il est 23h, donc je suis désolée pour la luminosité qui ne va pas être top et donc la qualité, je sais pas si ça va suivre. J'ai déjà lu un petit peu mais j'ai pas pu vous filmer puisque j'avais besoin de mon téléphone pour l'appel. J'étais à la page 510, là je suis à la page 560, donc j'ai un petit peu avancé. Je pense que je vais encore un peu avancer jusqu'à la fin du chapitre qui est à la page 567. Donc voilà, j'ai pas beaucoup à lire. Je vais continuer. Il y a eu de ces révélations, comme pas permis, hein, ce qu'on lut à la fin du 2, enfin ouais, dans les trois quarts du 2 là, mais là il se passe pas mal de trucs. Donc en vrai, le rythme est plutôt sympa. Sinon, pour le moment, dans l'ensemble, je dirais pas que c'est une lecture que j'adore. Mais c'est une bonne lecture, donc voilà, je vous en parlerai plus tard. En tout cas, pour ce qui est du challenge, je l'ai validé parce que dans tous les cas, là, je vais mettre mon téléphone en mode avion. Et puis, depuis ce soir, 20h ou 20h-21h plutôt, eh bien, je n'ai pas répondu à aucun message sur Instagram, j'ai pas regardé les notifications, etc. Donc voilà, j'ai validé le challenge. Demain, en fait, je vais inverser parce que demain, normalement, j'aurais dû faire un soin, le laisser poser pendant au minimum 20 minutes et lire pendant que le soin y pose. Sauf que le soin que je veux me faire, ce sera pour les cheveux et je ne compte pas me laver les cheveux demain. Donc, en fait, je vais switcher un peu les jours de challenge et puis je ferai ce jour de challenge là quand je me laverai les cheveux. Du coup, voilà. Donc, demain, le challenge, c'est lire au moins 20 minutes au réveil et faire pareil au moment du coucher. Donc, voilà. Moi, je vous dis à demain et puis je m'en retourne à ma lecture. Salut, je vous prends rapidement, on est mardi matin. Aujourd'hui, j'ai lu 20 minutes de lecture comme prévu, pas au réveil cependant, parce que je n'ai pas pu. En fait, je me suis levée, je me suis préparée, mais j'ai lu une demi-heure après m'être levée. Donc, j'ai lu 20 minutes, ce qui m'a fait continuer dans ma lecture. Je suis à la page 582, sachant que le livre en fait 665. Il me reste encore environ 85 pages à lire, donc au mieux je le finis ce soir, mais j'y crois pas trop. Pour le challenge d'aujourd'hui, il faut que je relise au moins 20 minutes avant de me coucher. Quand je dis avant de me coucher, c'est-à-dire une fois que j'ai par exemple pris ma douche, que je suis posée dans mon lit, même si je me couche pas tout de suite, que je fais un peu de montage après, ça compte quand même. Enfin, vous voyez, dans tous les cas, je lirai un petit peu, mais si, admettons, je lis 20 minutes, je fais du montage et ensuite je relis pendant 10 minutes, ce sera bon. Sinon voilà, aujourd'hui bah, je vais aller à ma formation. Il faut que je vous parle aussi d'un projet, donc il faut que j'y pense. Je vais me faire un petit papier pour y penser parce qu'on a un projet justement avec ma formation. Je vous en ai parlé sur Instagram, mais du coup je me suis dit que ce serait sympa de vous en parler ici aussi parce que ça concerne un petit peu la lecture et les, je dirais pas tout ce qui est goodies, mais plutôt accessoires de lecture, donc ça peut être pas mal. Je vais faire ma journée et puis je vous reprends sûrement ce soir. Salut, oula, il y a la lumière qui fait un truc bizarre. J'arrive pas à l'enlever, ça fera un truc bizarre. Je vais éviter au moins de me mettre devant pour pas que ça gêne. Mais en tout cas là, je vous retrouve, il est à peu près 6h20, donc là ce soir c'est encore lire 20 pages comme ce matin. J'ai juste envie là de me poser et de lire, donc je pense que c'est ce que je vais faire, parce qu'à chaque fois enfin pour vous dire, voilà tout ce que je fais chaque soir. Donc là je me suis dit bon, c'est pas grave, ce soir je me pose. Il me reste en fait dans ce que j'avais prévu de faire et que je n'ai pas fait, du montage pour une vidéo qui sortira dans un peu plus d'une semaine. Donc j'ai encore le temps, donc c'est pas grave pour une fois, voilà, je vais pas faire tout ce que j'avais prévu. Ce soir, je vais juste me poser pour lire et j'ai pas envie de faire grand chose d'autre ce soir, donc voilà. Je vais m'écouter un peu, me poser et puis prendre du temps pour moi. Salut, je vous retrouve, on est mercredi matin et j'ai enfin terminé La Passe Miroir, le tome 2, donc Les Disparus du Clair de Lune de Christelle Dabos. Je peux pas encore vous en dire réellement ce que j'en pense, dans le sens où ça n'a pas été un coup de cœur, mais ça a été une très bonne lecture qui m'a pas forcément marquée. Certes, il y a des choses très très bien, l'univers est complexe, il est bien écrit, mais je sais pas, c'est pas, on va dire, c'est pas ce livre qui m'a fait avoir un coup de cœur, ni le premier tome. Donc à voir avec la suite de la saga. Après, c'est pas parce que tout le monde a adoré et l'a comme livre préféré que ça doit être également le mien. Concernant le challenge, pour 20 minutes de lecture au réveil et pareil au coucher, j'ai réussi. J'ai lu peut-être une heure hier soir, puis j'ai terminé le livre, donc voilà. Aujourd'hui, c'est après-midi digestion, prépare-toi une boisson chaude, installe-toi confortablement et au moins 30 minutes de lecture sans écran.
Du coup, moi, ça va pas être pour l'après-midi, puisque bah, je vais avoir ma sion, mais je le ferai pour soirée, plutôt, soirée digestion, où après manger, je vais me préparer une boisson chaude, m'installer confortablement, et au moins 30 minutes de lecture sans écran, même si je serai probablement en appel, mais au moins, il y aura pas... Enfin, voilà, je serai pas, par exemple, sur mon téléphone, ou avec les notifications à côté qui brouillent un petit peu. Par rapport aux soins, donc celui que j'ai switché, se faire un soin et pendant qu'il pose on lit au moins 20 minutes, je pense que je le ferai demain, donc jeudi. En tout cas, je vous redirai ça. Plutôt contente pour le moment parce que j'arrive vraiment à bien tenir et à pas trop non plus tout modifier dans mon challenge, donc c'est plutôt cool. Ce matin, je vais commencer, puisque je pars dans... J'ai regardé l'heure, il restait genre 35 minutes. Je vais commencer L'étrange Noël de Zéro, le premier tome. C'est un manga, c'est issu de l'histoire L'étrange Noël de Monsieur Jack. Ça m'a l'air assez sympathique à lire. Il y a pas... Je pense que ça va se lire très très rapidement quand même, parce que regardez les bulles, tout ça. Et après, ma prochaine lecture en termes de roman, ce sera donc un service presse que j'ai reçu en 2022, enfin fin d'année, mais que je n'ai pas pu lire, donc là, faut absolument que je lise début de cette année. Il s'agit de Bonne Nouvelle de Demain de A. Lacroix-Lehmann, l'autrice elle-même qui me l'a proposé et qui me l'a envoyé. Pour ce qui est du résumé, c'est écrit: où vivrons-nous dans l'avenir? Que serons-nous? Sur terre, sous terre ou ailleurs? Évoluer ou au contraire aurons-nous régressé? Voici 8 nouvelles qui entr'ouvrent une fenêtre sur nos avenirs possibles à travers les yeux de personnages aussi variés qu'étranges, enfants, grand-mères ou encore hommes synthétiques. Aucune boule de cristal, aucune solution, juste un ailleurs venu d'aujourd'hui. Découvrons alors de bonnes nouvelles de demain. C'est un recueil de nouvelles et j'ai mis pour commencer un petit poisson marque-page à chaque nouvelle. Mais bah, je me demande même... Ouais non, celle de ce matin, enfin si je commence ce matin, c'est vrai qu'elle fait un peu beaucoup de pages. Elle en fait 55. Mais du coup, je vais commencer le manga. Et puis ensuite, dans tous les cas, je commencerai le roman. Il y a des moments où vraiment, je sais pas quoi lire au niveau de mes livres, mais là, j'ai envie de tout lire en même temps. Mais c'est pas possible. Salut, je vous retrouve, on est jeudi. Et donc, par rapport au challenge, ah oui, j'ai pas encore mis, mais du coup celui d'hier c'est bon parce que c'était, vous savez, après-midi digestion, que finalement je l'ai fait en soirée. Il fallait se préparer une boisson chaude, installer confortablement et au moins 30 minutes de lecture sans écran. Je me suis préparé un thé, je me suis installée 2 ou 3 heures à lire, donc c'est largement bon. Et ensuite, je pense que c'est aujourd'hui que je vais faire le jour que j'avais switché, c'est-à-dire si aujourd'hui tu te fais un soin et pendant qu'il pose tu lis au moins 20 minutes, donc je ferai ça ce soir en revenant de ma formation, je me ferai sûrement un soin pour les cheveux. Concernant mes lectures, je vous avais dit que j'avais terminé La Passe Miroir, donc j'ai commencé L'étrange Noël de Zéro, pour le coup L'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc je l'ai commencé je crois hier matin et je l'ai fini hier soir parce que c'est un manga qui se lit ma foi quand même très rapidement. Et donc j'ai commencé hier Bonne Nouvelle de Demain. C'est un auto-édité que l'autrice m'a envoyé. Pour le moment j'ai un petit peu bouffé le livre parce qu'en fait ça ce sont les différentes nouvelles que j'ai marquées. Mais j'ai lu tout ça hier soir, donc j'ai lu la moitié du livre. J'aime beaucoup honnêtement. J'ai lu 4 nouvelles pour le moment et franchement j'adore. C'est super bien écrit, j'adore. Pour le moment j'adore, c'est tout ce que je peux vous en dire. Ça se lit très bien, ça se lit, c'est très fluide. Ça percute un petit peu quand même, ça remue quand même, hein, je peux pas le cacher. Pour le moment ouais c'est une super lecture, donc à voir par la suite. Mais voilà où j'en suis du coup dans mes lectures, donc je suis plutôt contente parce que je voulais lire L'étrange Noël de Zéro et commencer celui-ci, c'est ce qui est fait. Et je vous avais parlé dans un rush précédent, je ne sais plus de quel jour, je pourrais pas du tout vous redire, mais je vous avais parlé d'un projet avec ma formation qu'il fallait que je vous partage. En fait on a un projet et on doit le financer, donc j'ai pensé et on a commencé à faire ça et franchement ça fonctionne plutôt bien, donc on est très content. C'est une vente de tote bag. J'ai réfléchi, on a trouvé un site. Pour l'illustration, j'ai demandé à l'auteur, donc Tom Pandore, que maintenant peut-être vous connaissez, mais c'est un illustrateur et un auteur avec qui j'ai pu être, et je suis, bêta lectrice. Et donc il est également illustrateur, donc j'ai demandé si c'était possible de voir pour faire une illustration. Et donc voici le rendu du tote bag qui franchement est trop beau, donc... Voilà, et celui-ci est un petit peu froissé, mais ça fait vraiment un univers très livresque. On voulait quelque chose d'assez neutre, que ça aille autant aux femmes et aux hommes. Et franchement, on est super content du résultat, c'est super joli. N'hésitez pas à aller voir sur Instagram, je vous donne plus de détails quant à tout en fait. Mais pour le prix, si jamais ça peut vous intéresser, je glisse la petite information. Le tote bag est à la vente à 5€ et pour s'il y a besoin d'envoi avec les frais de port, il faut rajouter 4,40€. J'ai pas réussi à trouver moins cher pour les frais de port, donc
J'ai conscience que ça peut faire cher, 9,40€ pour le tote bag, mais voilà, pour les frais de port, moi je n'ai pas pu faire autrement. Et je n'ai pas pu prendre les frais de port à ma charge, sinon vous comprenez bien que je perdais de l'argent, ou alors on faisait pas de rentabilité. Enfin, il n'y avait aucun... enfin, il n'y avait rien. On ne pouvait même pas se rembourser le tote bag, ni rien, donc... on a fait comme on a pu. Sinon voilà, je pense vous avoir à peu près tout dit ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Qu'est-ce que j'aimerais faire? J'aimerais bien faire un peu de montage, parce qu'à chaque fois le soir je me dis il faut que je fasse du montage, mais je le fais pas. Donc faire un peu de montage, et puis aussi entrer les livres, donc notamment celui-ci, dans mon carnet de lecture. Même si j'écris pas mon avis, au moins écrire le titre, l'auteur, enfin, vous voyez, faire un petit peu préparer la fiche. Donc voilà, je pense que je vais faire ça, et puis déjà pour ce matin ce sera déjà pas mal. Salut, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve, on est vendredi et par rapport au challenge d'hier, donc faire un soin et pendant qu'il pose je lis au moins 20 minutes. Alors j'ai lu mais je n'ai pas fait le soin parce qu'en fait j'avais pas envie au moment de me laver les cheveux, je suis rentrée, j'étais fatiguée, j'avais pas passé une super bonne journée. Du coup j'avais pas envie, mais dans tous les cas j'ai lu, et puis comme je vous ai dit, je ne me prends pas la tête avec ce challenge, c'est mon challenge, donc si j'ai envie en plus de le modifier, je le fais comme je veux. Donc voilà, là on est vendredi. Donc je ne ferai pas le challenge d'aujourd'hui ni de ce week-end. Sinon moi je suis toujours dans ma lecture de Bonnes Nouvelles de Demain. J'ai un petit peu avancé, j'ai lu 2 ou 3 nouvelles hier. Et franchement c'est hyper intéressant, j'adore, franchement j'adore. C'est comment c'est tourné, comment ça nous amène les choses. À un moment on a un parallèle un petit peu avec l'histoire de Frankenstein qui est abordée dans l'histoire et on comprend pourquoi. Et on se dit mais c'est waouh en fait, juste c'est trop bien fait. Je dirais pas que ça me retourne le cerveau, mais on se dit ouais en fait c'est trop bien écrit et tout a du sens et ça fait réfléchir. Je pense que ce matin je vais pas lire, je vais juste faire du montage pour enfin jusqu'au moment de partir. Donc voilà. En tout cas moi je vous souhaite toujours un bon visionnage, une bonne journée. Je sais pas ce que vous êtes en train de faire, mais voilà, bon visionnage en même temps. Je vous retrouve dans plusieurs jours, même si pour vous ce sera dans quelques secondes ou minutes. Et puis je vous dis à plus tard. J'espère que vous allez bien. Bon, je suis désolée, ça risque de résonner un petit peu, donc je vais faire au mieux. En tout cas, bon, finalement, on est dimanche aujourd'hui et je peux remplir le challenge puisqu'en fait, j'ai lu. Alors, ça va être inversé, donc vous n'allez pas vraiment voir parce que j'ai mis la caméra inversée, mais j'ai commencé le livre « Ceux qui n'ont pas pu nous prendre » de Ruta Sepetys. Je pense qu'on prononce comme ça. La maison d'édition n'est pas écrite juste devant, enfin écrite. Et donc, je l'ai commencé hier. Là, j'en suis à la page 186. Et en fait, le challenge d'aujourd'hui, c'est lis 100 pages, et s'il te reste moins de 100 pages, finis le livre. Enfin, c'est fini le livre s'il te reste moins de 100 pages, sinon lis 100 pages. Donc en fait, moi j'ai commencé hier, je me suis arrêtée à la page 100, donc là j'en suis à la page 187, donc il me reste en gros jusqu'à aller à la page 200 pour faire le challenge d'aujourd'hui, donc c'est ce que je vais faire. Comme ça, je vais pouvoir valider le challenge aujourd'hui. Donc voilà. Sinon, j'ai terminé donc Bonnes Nouvelles de Demain. Et j'ai un peu mal au bras. Je vais essayer de changer. Mais c'est que là, si je mets mon doigt devant la caméra, ça va pas être fou. Je vais essayer de vous tenir plutôt comme ça. Parce que je commence un peu à avoir mal au bras, à vous tenir en bout de bras. Mais j'ai bien beaucoup aimé même les nouvelles. Donc de Bonnes Nouvelles de Demain. Et en fait, il y en a quand même plusieurs. Et à chaque fois, il y a toujours quelque chose, moi, qui m'a plus ou moins percutée. Où je me suis dit... ouais, c'est quand même très bien écrit, mais je vous en reparlerai sûrement plus. Je sais pas si je vous en reparlerai plus dans ce vlog, mais là en tout cas je vais continuer à lire Ceux qui n'ont pas pu nous prendre. C'est un livre que j'ai depuis vraiment un moment dans ma pile à lire, que j'avais acheté en brocante mais que je n'avais jamais lu. Et là, vu que le challenge d'hiver que je vous ai présenté auquel je participe, dedans il y a une catégorie où c'est un livre avec de la neige dessus, et comme vous pouvez voir la couverture, et ben il y a de la neige, donc je me suis dit comme ça permettra de sortir ce livre de ma pile à lire, et en même temps bah, voilà, de pouvoir compléter une catégorie du challenge. Et donc pour rapidement vous faire un résumé, on y suit Lina qui est une jeune lituanienne. C'est au mois de juin je crois 1941,
où des gardes soviétiques l'arrachent à son foyer. Elle est déportée en Sibérie avec sa mère et son petit frère. Donc on suit un petit peu toute cette histoire sur fond de guerre qui est quand même très très présent, je dois vous l'avouer, parce que voilà, je vous dis, j'en suis quasiment à la moitié, j'en suis à la page 187, donc, enfin 186, enfin bon, bref, on s'en fiche. Mais voilà, en tout cas, c'est... Pour le moment, ouais, j'ai été assez soufflée, j'ai envie de dire, par la description, par la réalité des choses. Et bah, en fait, on suivait des personnages qui ont soif, qui ont faim, qui sont affamés. Et moi-même, j'ai eu faim, j'ai eu soif. Donc c'est vraiment pour prouver que c'est super bien écrit. Donc voilà, moi en tout cas, j'ai pas grand-chose de plus à vous en dire. Je vais continuer mon livre et après, je pense que je vais travailler, je vais faire des fiches et tout. Donc voilà, en attendant, moi, je vous dis à plus tard. Salut, je vous retrouve, on est lundi 16 janvier, donc je vous reprends pour par rapport à la continuité d'hier où je vous parlais du livre « Ceux qui n'ont pas pu nous prendre », je l'ai terminé donc ce matin, pour vous dire un petit peu mon avis comme ça, plus à chaud, parce que je l'ai quand même terminé ce matin. Je dirais que ça a été une très très bonne lecture où ouais, j'ai été émue, en fait j'ai été touchée par la description comme j'ai pu vous le dire. Je pense que j'ai pas grand chose à vous en dire de plus, tout simplement j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai trouvé très très beau comme livre, très dur aussi parfois avec certaines choses qu'on voit au travers des yeux des personnages et des descriptions de certains événements et de choses qui se passent avec des personnages auxquels on s'attache en fait tout au long de l'histoire et où on se dit non c'est pas possible et ben, ça arrive quand même. Mais il y a toujours aussi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est cette petite lueur d'espoir et ce courage qui est toujours présent tout au long du livre avec les personnages que j'ai trouvé vraiment très belle et qui donne envie de nous battre un petit peu pour tout ce qu'on peut vivre au quotidien, même si c'est des choses on va dire beaucoup moins graves, on est bien d'accord, que la guerre et tout. Mais oui, je trouve que ça motive, ça donne vraiment une petite étincelle d'espoir et franchement pour moi c'était un livre que j'ai trouvé très poétique, très beau, où on s'attachait même à des gens que les personnages détestaient eux-mêmes mais qui finalement, à force de les voir dans leur routine et de les voir tous les jours, et ben ils font quand même partie du quotidien, donc ça a quelque chose de rassurant de les voir à nos côtés et du coup je pense que c'est ça qui fait qu'on s'attache à eux, d'avoir un petit peu leur caractère qu'on retrouve et donc c'est un petit peu quelque chose de stable auquel on peut s'accrocher. Du coup voilà, franchement ça a été une très belle lecture, je peux que vous recommander si vous ne connaissez pas. Ensuite par rapport à ce qui concerne le challenge, donc comme je vous ai dit j'ai pu remplir la case « S'il te reste moins de 100 pages, finis le livre, sinon lis 100 pages », montre ici. Et donc celui de ce matin, enfin d'aujourd'hui, c'est ce matin, au moins 20 minutes de lecture, tu devras lire le même nombre de pages que tu as lues cet après-midi ou ce soir. Donc ce matin, ça tombe bien parce que j'ai lu une vingtaine de minutes à peu près et il me restait 20 pages. Donc en fait j'ai lu les 20 pages en 20 minutes. Donc en gros il faudrait que ce soir je lise 20 pages, mais voilà, il faut que je commence un nouveau livre, forcément. Donc pour le livre, je vais vous montrer... J'en avais sélectionné 3, je vous dis tout de suite celui qui a été sélectionné, celui qui a été choisi, puisque moi j'en ai sélectionné 3 et après on en a choisi un parmi les 3 que j'allais lire. Donc c'est le tome 3 de La Passe-Miroir, tout simplement parce que j'ai choisi 3 livres avec 3 genres très différents et mon copain a choisi celui de la fantasy, il m'a dit tant que t'es un petit peu dans la saga, plutôt que d'attendre en gros autant qu'entre le tome 1 et le tome 2, autant enchaîner avec le tome 3, voilà, si ça me gênait pas trop, mais après c'est moi qui avais choisi lui aussi parmi les 3 livres à lire, donc voilà. Les 2 autres livres que j'ai proposé parmi cette sélection de 3, il y avait donc un contemporain, c'est-à-dire Le Parfum du Bonheur est plus fort sous la pluie de Virginie Grimaldi, aux éditions Le Livre de Poche. Et pour rester un petit peu dans l'historique avec celui-ci, et puis parce que historique, je me dis que j'en ai quelques-uns à lire. Il s'agit tout simplement de Max de Sarah Cohen-Scali, c'est publié aux éditions Pôle Fiction, et alors là c'est un livre... qu'on a étudié en terminale, il me semble. Je sais plus pourquoi ça devait être par rapport à l'émancipation ou la science sans conscience mais telle que l'héroïne de l'âme ou ouais, ce genre de sujet. Je ne sais plus exactement mais en tout cas il m'avait vraiment vraiment intéressé. Et là on y suit tout simplement Max. C'est écrit bientôt minuit, je vais naître dans une minute exactement, je vais voir le jour le 20 avril, date anniversaire de notre Führer. Max est le prototype parfait du programme Lebensborn. Des femmes sélectionnées par les nazis mettent au monde de purs représentants de la race aryenne, jeunesse idéale destinée à régénérer l'Europe. J'avais aussi sélectionné lui, mais il n'a pas été sélectionné, de toute façon il fallait bien sélectionner un des 3.
Donc c'est le tome 3 de La Passe Miroir qui a été choisi. Moi ce soir je vais lire je pense juste un chapitre. C'est pas forcément que j'ai pas envie de lire, mais je vais juste lire un chapitre je pense pour valider le challenge. Puis voilà, parce qu'après j'aimerais bien faire peut-être un petit peu de montage ce soir. Donc je verrai un petit peu comment ça se goupille. Mais voilà. Salut, je vous retrouve, on est mardi, donc pour le challenge d'hier, c'est-à-dire que lire une vingtaine de pages, je l'ai fait. Donc j'ai coché la petite case même si je ne voulais pas montrer. Voilà, regardez, je vous montre, le petit tic est fait. Donc aujourd'hui, je pense que je vais inverser avec le challenge de demain. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je vous montre, on a les trois challenges. Le challenge d'aujourd'hui, ce serait le nombre de pages du manga égale le nombre de pages à lire aujourd'hui, parce qu'en fait, Evalie, avec qui j'avais fait le challenge au départ, je l'avais fait en fait pour nous deux, elle était en train de relire toute une saga et chaque jour elle lisait un tome de manga en plus d'un autre roman. Et donc j'avais dit, bah, ce jour-là, le nombre de pages que fait ton manga, ce sera le nombre de pages que tu auras à lire pour ton roman aujourd'hui. Sauf que moi, je ne suis pas en train de lire un manga en même temps, donc je ne vais pas faire ce challenge-là aujourd'hui. Dans le sens où je pense que ça va être un petit peu le challenge Joker qui va arriver donc demain. Je vais vous expliquer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon challenge, je vais faire celui de... J'inverse avec demain en fait. C'est-à-dire que là, je vais faire aujourd'hui au moins 10 minutes de tri dans ta wishlist puisque j'ai une idée par rapport à ma wishlist. Mais je vous en reparle juste après vous avoir expliqué tout ça. Donc... aujourd'hui et demain, les challenges s'inversent, c'est-à-dire que demain, nombre de pages du manga égale nombre de pages à lire, ça va être mon joker par rapport au jour d'après. C'est pas clair du tout ce que je vous raconte. Après-demain, le challenge c'est prends ton âge, ajoute un zéro derrière et le nombre de pages à lire minimum. Donc moi j'ai 19 ans, j'ajoute un zéro, ça fait 190. Lire 190 pages, ça va être un peu chaud en une soirée. Donc ce que je vais faire, c'est que vu que le jour d'avant, j'ai dit que ce serait mon joker, je vais partager les 190 en deux jours. Et c'est quoi ce bruit dehors? Il y a des travaux dehors, je suis désolée. Mais en gros, voilà, les 190 pages, je vais les partager avec le joker, donc ça va me faire les 190 à partager sur les deux jours. En tout cas, aujourd'hui, je vais faire peut-être même maintenant, aujourd'hui au moins 10 minutes de tri dans ta wishlist. J'ai des livres à rajouter, je vais regarder les titres certains et j'ai une idée en fait parce que j'ai un petit carnet mais ça fait pas très propre. Et j'ai vu une image, je sais plus du tout sur quelle chaîne ou sur quel compte Instagram, mais en tout cas j'ai vu l'image et je me suis dit mais ça a l'air trop sympa, enfin je veux faire pareil sur une petite fiche Bristol, moi je vais le faire à la main, la personne l'avait fait à l'ordinateur. Mais du coup voilà, je vais vous filmer tout ça pendant que je vais la faire et puis voilà pour le challenge d'aujourd'hui. Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est donc jeudi, je vous ai pas pris hier. J'ai donc avancé puisque pour le challenge d'aujourd'hui, puisque normalement le but de cette vidéo c'est quand même de vous parler du challenge bambou, c'était de lire 190 pages aujourd'hui, donc comme je vous ai dit je l'ai séquencé avec hier. En fait je m'en sors plutôt pas mal puisque je dois arriver au petit post-it rose. Et franchement je suis plutôt contente parce que j'ai pas mal avancé hier, que aujourd'hui je vais réussir mon challenge. Aujourd'hui je me suis levée encore un peu plus tôt que d'habitude, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 2 heures devant moi, là j'ai 3 heures devant moi. C'est pour ça je pense que là je vais lire parce que j'ai envie de lire, je vais me caler genre même si c'est une demi-heure de lecture, ce sera une demi-heure de lecture. Hier en fait j'ai pris, pendant que je lisais, j'ai pris mon cochon d'Inde avec moi. J'étais en train de lire et je le caressais et c'était trop bien parce que ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait ça. Et du coup voilà, ça m'a fait du bien de le faire, j'étais trop contente et puis c'était cool. Je sais pas si ça vous intéresse mais c'est pas grave, je le glisse comme ça dans le vlog. Voilà, j'avais eu sinon, parce que je parle pas mal en ce moment avec Evalie et elle va reprendre ses vlogs au moment où normalement cette vidéo sera postée. Il y aura déjà ses vlogs qui seront sortis, enfin au moins un de ses vlogs. D'ailleurs hier j'ai fait du montage aussi. Je suis motivée. Donc voilà pour ce qui est de ce que j'avais à vous dire ce matin.
Salut, je vous retrouve, on est donc vendredi matin, je vous ai pas repris hier soir il me semble, je crois que vous avez pris hier matin. J'ai pu réussir et valider le challenge d'hier, c'est-à-dire lire 190 pages, donc c'était avec prends ton âge et rajoute un zéro. Je crois que je vous avais dit voilà, que j'atteigne la page 230 je crois, et là j'en suis à la page 240, je vous le montre, parce que j'ai continué un peu à lire après. Qu'est-ce que j'en pense de ce tome? En fait, bizarrement, parfois j'en entendais parler sur YouTube, Instagram et tout. Et là en fait j'ai publié mon avis sur le tome 2 il y a 2-3 jours à peu près. Et il y a beaucoup de personnes qui disent que le tome 2 est leur tome préféré et que le tome 3 ça les intrigue pas trop ou qu'il est un peu moins bien. Et alors en fait, moi c'est l'inverse, c'est-à-dire que le tome 2, je l'ai trouvé vraiment très intéressant, intriguant, etc. Mais j'ai pas eu ce petit truc de me dire ouais il y a ce truc en plus et tout. Enfin comme je vous ai dit, c'est une bonne lecture, mais... voilà, je vais pas vous refaire un avis, je vous en ai parlé dans ce même vlog. C'est-à-dire que là, on se retrouve avec Ophélie, qui va dans la... un peu comme une école. Certes, c'est peut-être aussi pour ça que les personnes aiment moins, en fait, je pense comprendre. C'est-à-dire que c'est plus... le rythme est plus lent, il se passe moins de choses, on suit un peu Ophélie dans cette école, etc. Mais moi, je trouve ça hyper intéressant sur justement... le questionnement et le positionnement par rapport à la liberté, ce qu'on a le droit de faire quand on dit il y a que de la paix, tout le monde est honnête, on n'a pas le droit de prononcer le mot guerre, c'est comme ça qu'on réussit à maintenir la paix. Mais en fait on se rend compte que bah, pas forcément, parce que ça crée plein de petites tensions, du coup tout le monde devient suspicieux les uns des autres dès qu'il y a quelque chose qui est volé ou dès qu'il y a quelque chose. C'est un petit peu où tout le monde se regarde mal à se surveiller si tout le monde fait bien les choses. Et du coup je trouve ça limite malsain en fait de vouloir maintenir la paix à ce point. Et en fait je le trouve, enfin ce tome là je le trouve vraiment hyper intéressant pour le moment, donc j'en suis à peu près quand même à la moitié. C'est vrai qu'il se passe pas grand chose en soi, quand je me dis là j'en suis à la page 240 depuis le début, quand je repense à tout ce qui s'est passé. Voilà, mais en soi moi je le trouve vraiment bien, parce que ça nous montre que... qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, alors là je vais faire vraiment une caricature, mais qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on ait fait des grandes études ou pas, c'est pas pour autant qu'on est plus haut hiérarchiquement, intellectuellement ou autre. C'est pas parce que quelqu'un a suivi tous ses cours qu'il va être plus intelligent qu'un tel qui n'a pas fini sa scolarité ou autre. Parce que c'est bien de réfléchir, mais quand c'est que du par cœur ou autre et que derrière il n'y a aucune réflexion, ça pose quand même question. Du coup voilà, j'en suis qu'à la moitié pour le moment, mais moi je pense que je le préfère au tome 2. C'est bizarre à dire parce que le tome 2 j'ai beaucoup aimé dans le sens où il s'y passe plein de choses et tout. Mais là justement je trouve qu'on prend plus le temps de se poser et il y a beaucoup plus de questionnements en fait derrière. Il y a même un parallèle avec Le meilleur des mondes de Aldous Huxley. J'ai mis le petit post-it. Justement c'est dans l'école, il y en a une qui lui dit « Nous vivons dans le meilleur des mondes », déclara-t-elle soudain en se mettant solennellement au garde à vous. « Veillons ensemble à le rendre meilleur encore, apprenti Eulalie. » Là c'est clair le parallèle avec Le meilleur des mondes, elle le dit, nous vivons dans le meilleur des mondes. Je me dis en fait, je le trouve super intéressant moi de ce point de vue là, après c'est peut-être aussi ce que moi je recherche un peu plus maintenant dans les livres, je remarque, parce que c'est ça qui me fait un peu plus tilt que dans les autres. Pour le moment j'aime beaucoup, j'espère que les bruits du dehors ne vous gêneront pas trop parce que là j'ai ouvert un peu pour aérer. Sinon ce matin j'ai fait du montage, j'ai lu, et d'autres trucs qui ne concernent pas la lecture, notamment ma valise etc. Parce que là je repars pour 2 mois de stage. Donc je ne vais plus être ici, donc je ne terminerai pas ce vlog ici et je suis bien contente dans le sens où être en appart c'est bien, mais moi je suis une campagnarde et les bruits là comme ça, des voitures tout le temps, qu'on entend tout le temps la sirène passer de l'ambulance, enfin bon, bref, moi ça commence à me... hein, voilà, pas trop mon truc. En tout cas pour ce qui est du challenge, donc aujourd'hui, si je le faisais aujourd'hui, c'est ce soir sport et lecture, pas de limite, c'est comme tu veux. Alors le sport, autant vous dire qu'en ce moment, c'est pas que j'ai pas forcément besoin, enfin... Le sport, moi je le fais avant tout parce que j'en ressens le besoin. C'est pas, on va dire, pour maintenir mon physique. Certes, ça contribue, mais c'est plus pour que je me sente bien moi-même. C'est-à-dire que là, en ce moment, je me sens bien. J'ai pas forcément envie de faire du sport. J'ai pas forcément l'équipement pour actuellement. Surtout là où je vais, là où je vais être, hein, je vais pas avoir l'équipement pour. Puis j'ai pas forcément envie, donc j'ai envie de vous dire, encore une fois c'est mon challenge, du coup j'ai pas envie de le faire le sport donc je le ferai pas. Ça peut être après même de la méditation ou des choses comme ça, mais je pense que voilà, je pense pas le faire honnêtement. Sinon du coup je pense pas le faire aujourd'hui parce que ce soir je vais avoir d'autres trucs de prévu et je vais clairement pas avoir la tête à ça, donc je reprendrai je sais pas quand, enfin de toute façon je vous le dirai, salut on est tel jour. Et ensuite et bah ce sera le dernier jour du challenge et alors là je me dis que je pense que je vais m'auto-détester. Parce qu'en fait c'est aujourd'hui tu te mets à jour dans tes chroniques, vidéos, montage, si tout est déjà fait, lis 150 pages aujourd'hui.
Sachant que demain, je compte filmer 2 vidéos, que là, j'ai le montage du challenge. Bon, je me tiens quand même plutôt à jour. Si c'est pour toutes les vidéos et tout, je me dis... Le montage va être long, sachant que je dois avoir déjà une vidéo dans mon ordi, plus 2 que je vais filmer demain, plus le challenge. En vrai, je me dis, je vais y aller cool quand même, parce que là, c'était vraiment le challenge que j'ai fait pendant un temps de vacances, donc j'avais toute la journée, que là, je ne vais pas du tout avoir toute la journée. Et du coup, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour le challenge, et puis c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce matin face cam. Du coup, en tout cas, moi, je vous dis à plus tard. J'ai encore un peu le temps, du coup, je sais pas trop ce que je vais faire, si je vais lire ou je sais pas. Voilà, je verrai bien. Et puis moi, je vous dis à plus tard. Salut, alors je vous retrouve, on est lundi matin, on est le lundi 23 janvier. Je suis désolée d'avance si ça résonne parce qu'en fait, bah... Voilà, on n'a pas encore beaucoup de meubles ni de rideaux ou choses qui absorbent le son, donc ça résonne encore un peu dans les pièces. En tout cas, j'ai fait le challenge d'hier. Je vous ai pas pris face cam parce que j'avais pas forcément grand chose à vous en dire. Puis bon, il était assez tard après, mais en tout cas, j'ai fait le challenge d'hier qui était donc... normalement, c'était hier sport et lecture, mais je vous dis que le sport, j'avais pas forcément... l'envie, donc là c'était le soir lecture, donc on peut dire que j'ai validé. Je sais pas trop, aujourd'hui je vais pouvoir un petit peu m'avancer, mais je sais pas si je vais pouvoir réellement valider le challenge d'aujourd'hui, je vous dirai. C'est me mettre à jour en gros dans tout ce qui est chronique, avis lecture, montage. J'aurai 1, 2, 3 vidéos à monter, plus le challenge, donc ce serait chaud de tout faire aujourd'hui. Soit j'en fais un petit peu aujourd'hui et je valide le challenge... Comme ça au moins je m'avance déjà un petit peu, mais je peux pas tout faire, dans tous les cas je ferai pas tout d'un coup parce que ça ferait vraiment beaucoup. Mais sinon voilà, je le ferai un autre jour. Sachant que en fait, cette semaine je commence mon stage, donc là j'ai le temps de vous prendre ce matin parce que je suis de l'après-midi, c'est-à-dire que je commence à 13h30 et je finis à 22h. Ni tard, mais bon, au moins comme ça me laisse ma matinée. Mon café est en train de chauffer. Je vous prends en même temps et je vous ai montré hier, mais regardez la tasse trop mignonne que j'ai eu à Noël. C'est un petit pain d'épices et quand vous mettez le liquide dedans, ça prend la forme du pain d'épices. Elle est trop mignonne et on pensait que ça contenait pas énormément de liquide, mais en fait on a comparé avec une tasse comme ça et en fait en remplissant la tasse et ensuite en mettant dans cette tasse là, en fait il y a quasiment la même contenance. Il y a un tout petit peu moins là dedans, mais franchement ça se joue à rien du tout. Donc voilà, fallait juste que je vous partage ça. C'était ma petite découverte du jour. Concernant la lecture, je suis toujours donc La passe miroir, le tome 3, comme vous avez pu le voir. J'aime beaucoup cette lecture, je la trouve vraiment très intéressante. Ophélie, à un moment, il y a une citation. Et Ophélie, en fait, dans l'histoire, elle peut savoir l'histoire des objets rien qu'en les touchant. Mais seulement des objets, donc pas des humains et tout. Mais par exemple, tout ce qui est crâne, ossement ou reste, enfin, vous voyez, les choses comme ça. Elle peut les toucher et à un moment il y a une citation qui moi a fait sens, c'était, je pourrais pas vous la redire mot pour mot, mais c'était à partir de quel moment cessons-nous d'être des humains pour devenir des objets. Et là je me suis dit, bah, en fait cette phrase elle est hyper intéressante parce que ça peut fonctionner pour plein de contextes différents. Par rapport moi à ma formation ça fait sens et même par rapport à plein de choses en fait je pense que ça peut faire sens. Moi je l'ai trouvée vraiment intéressante et dans l'ensemble j'aime beaucoup le... J'aime beaucoup, en fait, tout simplement le livre, donc voilà. Je sais pas encore, j'ai défini un peu un programme de ce matin, mais je sais pas trop ce que je vais faire. Je vous montrerai tout à l'heure, mais j'ai filmé ma vidéo Petit mois, petite lecture, j'ai fait ma pile à lire, et franchement, j'ai hâte de commencer le mois de février quand même, avec toutes les lectures et tout. J'aimerais au moins terminer la passe miroir avant, ce qui serait pas mal. Bon, ben je vous reprends très rapidement 2 minutes là, genre 2 minutes vraiment après vous avoir pris, après vous avoir fait le plan. C'était pas prévu, mais du coup je vais avoir un achat à faire, un trépied. En même temps, ça fait des années que je l'ai celui-ci et en fait, je sais pas comment il s'est cassé parce que, ah oui, vous voyez, ça fait comme une patte en métal et du coup que je peux tordre, que je peux tourner, que voilà. Je fais... Et en fait, bah là j'ai remis, je l'ai bougé, puis je pense que bah, elle était trop fragilisée et puis le truc a fait... J'ai plus de trépied. Mon trépied, il a 2 pattes. Du coup, je sais pas trop si je fais... Non, ça... Non, il tiendra pas, hein. Bah, je suis bien, du coup, pour mes vidéos, parce que j'ai plus rien pour tenir le téléphone. Donc, super.
Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, on est mardi matin. Premier jour de stagiaire, c'est très bien passé. Je fais à peu près les mêmes horaires aujourd'hui. Alors, je vous ai dit ce matin que j'allais faire du montage, tout ça. J'ai passé, c'est une vidéo, c'était un avis lecture. Donc pas le prochain, enfin pas le premier qui va être sur cette chaîne cette année, mais l'autre. Celui que j'ai filmé, il fait 40 minutes. Donc j'ai passé plus de 3 heures de montage dessus. Je l'ai téléchargé. La vidéo de base, donc une fois que c'était bon, je l'ai supprimée. J'ai remarqué, j'ai vu que ma vidéo finale fonctionnait très bien et tout. Et là, ma vidéo finale s'est supprimée. Impossible d'ouvrir le fichier et tout. Du coup, j'ai passé plus de 2h30, 3h30 dessus. J'ai plus qu'à tout recommencer, sachant que ici où je suis, je ne peux pas filmer. Parce que bah, ça résonne un peu trop, j'ai pas les livres, j'ai pas mes bibliothèques pour le moment, elles sont encore chez mes parents. C'est super, ça va que j'ai pris de l'avance sur les vidéos, donc je peux en monter d'autres et tout. Mais du coup, le challenge d'aujourd'hui, le dernier jour du challenge, c'était mets-toi à jour dans tes chroniques, vidéos, etc. Donc je suis à jour dans mes chroniques. Dans mes vidéos, c'est autre chose du coup, mais là, j'ai tellement passé de montage hier pour rien que ça me saoule. Mais sinon c'était si tout est déjà fait, lis 150 pages. Donc je vais plutôt me caler aujourd'hui à lire 150 pages ce matin. Il faut juste que je regarde un autre truc avant pour mon stage, mais après je vais lire mes 150 pages. Donc voilà, je vais m'atteler à ça et normalement j'aurai validé tout le challenge. Ensemble je trouve que je m'en suis quand même pas trop mal sortie et je m'y suis quand même bien tenue. Et avant de vous reprendre plus tard, regardez, je la promène partout cette tasse. Elle est trop mignonne avec le petit pain d'épices et tout, franchement je suis fan. Je vous ai calé comme je pouvais parce que bah toujours pas de trépied. Mais du coup voilà et bah je vous dis à plus tard. Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est mercredi 25 janvier. Et je vous retrouve pour clôturer ce vlog puisque, alors quand je vais vous montrer le livre et la fiche du challenge bambou, vous la voyez à l'envers. Parce que bah, je n'ai toujours pas de trépied. Du coup, je ne peux pas trop faire autrement que d'essayer de vous caler et de voir où est-ce que je filme du coup. Donc je vous prends dans ce sens-là. Pour ce qui est du challenge bambou, comme je vous ai dit, c'était aujourd'hui, tu te mets à jour dans tes chroniques, vidéo, montage. Si tout est déjà fait, lis 150 pages aujourd'hui. Avec le souci de ma vidéo que j'avais tout monté, qu'elle s'était effacée, ça m'avait saoulé clairement. J'étais à jour dans mes chroniques. Mais c'était juste dans mes vidéos à peu près aussi, mais c'était juste voilà le montage en fait, donc j'avais clairement pas envie d'en faire. C'était si tout est déjà fait, mais je me suis dit que voilà, lis 150 pages aujourd'hui. J'étais à la page 350 de mon livre, donc ça, ce qui voulait dire qu'il fallait que j'aille jusqu'à la page 500. La page 500 qui, on peut dire, est atteinte parce que, bah, je vais vous le montrer mais vous le verrez pas parce que c'est à l'envers, c'est la page, je vous montre quand même un petit peu, 496. Donc je pense parce que c'était, j'étais à peu près à la page 350, j'étais je crois un petit peu en dessous ou à 2-3 pages au-dessus. Mais voilà, je ne vais pas m'arrêter en plein milieu d'un chapitre juste pour dire j'arrive à la page pile. Donc voilà, je suis plutôt à jour. Pour vous parler donc de ma lecture sur la mémoire de Babel, donc la passe-miroir, le tome 3 de Christelle Dabos. C'est une lecture que j'aime toujours autant parce qu'il y a énormément de choses concernant l'introspection. Je le trouve vraiment super intéressant parce qu'on y parle de Babel qui est une cité qui prône la paix, où la guerre est complètement proscrite, où les mots qui se rapprochent à la guerre, comme par exemple une arme, une bataille, même si c'est utilisé dans un contexte quotidien de tous les jours, un mot sorti de son contexte, il y a des mots interdits et pour préserver la paix, etc. Mais on voit que finalement, est-ce que trop préserver la paix, ça n'en devient pas dangereux. Alors, je sais plus si je vous l'avais lu, mais il y a une phrase que j'aime bien, c'est... Ah oui, voilà, c'est ça. C'était, je crois que je vous en avais parlé, mais je vous avais pas dit la phrase mot pour mot. C'était celle-ci, c'était « À quel moment, lui demanda-t-elle, à quel moment cessons-nous d'être des humains et devenons-nous des objets ?» Donc voilà pour les phrases, moi j'en suis ici, donc il me reste encore ça à lire. Je vais pas forcément... Enfin, je pense pas avoir le temps de lire ce matin. Là, il me reste à peu près une demi-heure avant que je parte. Et j'ai d'autres petits trucs à faire. Mais sinon voilà, pour ma lecture, franchement j'aime beaucoup, je la trouve hyper intéressante. Et pour moi, ouais, on est beaucoup plus dans la réflexion et dans le questionnement un petit peu de son être et de son soi profond, de son soi, de ce qu'on veut montrer et le fait d'être en accord ou pas avec soi-même, de ce qu'on pense être. Il est beaucoup moins dans l'action, même s'il y en a, hein, je vais pas vous dire qu'il y en a pas alors qu'il y en a. Mais beaucoup moins que les deux premiers tomes, je trouve. Je trouve que c'est quand même assez drôle parce que j'ai introduit le vlog avec la passe miroir le tome 2 et je conclue le vlog avec la passe miroir le tome 3 alors qu'on a quasiment 3 semaines d'écart entre le début et la fin du vlog, mais bon, que
que voulez-vous, c'était juste entrer en matière et une bonne conclusion. En tout cas, j'espère que niveau son, ça ne résonne pas trop. Je suis consciente que ça résonne, que niveau de la qualité de l'image, je vois hein, que c'est pas fou. Mais voilà, je fais comme je peux pour le moment que le trépied n'est plus présent. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce vlog vous aura plu. Je ne sais pas du tout la durée qu'il aura, la tête qu'il aura, je n'en sais rien. Si je vais enlever certains plans parce que ça fait trop long. Je ne sais pas du tout comment je vais faire. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment, une belle découverte peut-être du challenge et peut-être que ça vous aura donné envie d'en faire. Je ne sais pas du tout. En tout cas, voilà, moi je vous souhaite de belles lectures et puis je vous dis à la semaine prochaine. Salut !